Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous protège et qu'il protège vos sœurs, vos filles. Et Seigneur, regardez à l'écran. Vous voyez ça? Selon l'information que j'ai reçue, on nous dit que la copine d'un brouteur ou un yellow boy est devenue folle. La copine d'un brouteur ou un yellow boy est devenue folle. Pourquoi et comment? Mes frères et sœurs, c'est de ça que je veux parler. Je veux vraiment vous parler aujourd'hui de ce qui se passe. Vous savez, sur cette terre, il y a des gens qui veulent réussir à tout prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens d'argent là. Pour les avoir, vraiment, vous allez travailler pendant longtemps. Vous allez vraiment barrer comme c'est pas possible. Et là encore, vous devez être intelligent. Il va falloir que vous économisez. Vous voyez, toutes ces gymnastiques et tout ça, vraiment, ça prend beaucoup de temps. C'est pas de la blague, hein. Ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut cultiver cette vertu. Comme quoi, la patience. On nous dit même que la patience, c'est un chemin d'or. Ça veut dire que sur le chemin de la patience, là, vous allez ramasser un peu, un peu, un peu, un peu. Petit à petit, petit à petit. Et si vous êtes intelligent et que vous savez bien gérer, à la fin, là, vous allez, ça va devenir beaucoup, quel que soit le temps que ça va prendre. Mais ça va devenir beaucoup. Et vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Et tout ce que vous savez. Vous voyez que quand vous entendez même cette explication, déjà vous savez que vraiment, c'est pas facile. C'est dur, c'est difficile. Et ça prend beaucoup de temps. Le temps que ça prend là, il y a certaines personnes qui disent non, c'est pas possible, elles ne peuvent pas attendre ce temps-là. C'est-à-dire le temps de Dieu. Les gens disent que non, ils ne peuvent pas attendre ce temps-là. Parce que ce temps-là, vraiment, on ne sait pas quand ça va venir. Et puis, tu vas gagner un peu, et puis tu dois être intelligent, économiser. Vraiment, pour ces gens-là, ça ne les arrange pas. C'est pourquoi, à cause du fait qu'ils veulent avoir de l'argent en vitesse, ces gens-là décident de se joindre à des groupes de personnes qui connaissent le chemin de l'argent rapide. C'est là qu'il y a les enrobeurs, il y a les braqueurs. C'est là il y a le phénomène de rituel. Les ritualistes. Et ce qui est devenu moderne, ce qui est modernisé aujourd'hui, c'est le phénomène de Yahoo Boy au Nigeria ou Brouteur en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Maintenant, quel est le problème avec les deux? En fait, c'est une forme d'escroquerie sur Internet. Mais ce n'est pas seulement une simple forme d'escroquerie. Il y a aussi du mysticisme qui est ajouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenons un exemple. Un commerçant qui vend du pain. Et lui, il est boulanger, il a fait la boulangerie, il vend ses pains. Pour que sa boulangerie puisse bien marcher par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il lui fait? Il décide d'utiliser des pouvoirs mystiques pour pouvoir purifier son lieu de travail afin que ça puisse attirer la clientèle. Ce sont des connaissances interdites. Quand vous êtes en contact avec ces connaissances, c'est comme si vous étiez en contact avec la mort. Parce que derrière ça se trouve le démon. Et on peut lui dire, par exemple, écoute, pour que ta boulangerie puisse marcher,
Va voir un gars qui est à la morgue là-bas. Quand il sera prêt à laver un cadavre là, tu attends. Dès qu'il finit de laver le mort, dès qu'il finit de laver le corps là, toi tu prends l'eau du corps là et c'est ce que tu viens asperger dans ta boulangerie. Et vous allez voir que c'est ce que la personne va faire. Ou bien, si quelqu'un voit par exemple de l'article de Gaba, qu'est-ce qu'on lui dit? On va dire, écoute, tu vois ton article de Gaba, si tu veux que ça marche beaucoup, voici telle cérémonie que tu dois faire. Mais on va lui dire, par exemple, tu prends ton pipi, c'est-à-dire le pipi, lui son pipi, hein, le Gabatigui, il va prendre son pipi, il va prendre cela, il va laver sa main. Tout vois, non? Il lave, c'est-à-dire à un moment donné, il va derrière le garadome, il lave sa main avec son pipi avant de servir les gens. Et quand il va le faire, les gens ont trouvé que sa nourriture est bonne, que c'est la meilleure nourriture du quartier. Il y aura du monde là-bas. Il va faire ça une fois, deux fois, trois fois, plusieurs années. Mais un jour, on va l'attraper. Oui. Parce que les choses du diable ne tuent pas éternellement. On va finir tout le temps par l'attraper. Vous voyez, c'est comme un autre gabatique que moi j'ai connu. Le gars, tout le monde allait manger chez lui. Moi, bizarrement, bon, je me disais, mais ah, pourquoi est-ce qu'on dit que le gars là, son gaba c'est bon, c'est doux, mais moi, je n'ai jamais eu, c'est-à-dire Dieu m'a jamais mis sur sa route, quoi. Je ne suis jamais allé là-bas. Et pendant que j'étais là en train de poser des questions, bon, toujours ça venait pas, je ne trouvais pas la force d'y aller. Maintenant, voici qu'un bon matin, c'est-à-dire quelques années plus tard, on apprend que ils ont retrouvé une tête comment on appelle ça? On appelle ça le truc qui marche sur le sur, le truc qui rampe sur le mur, là, comment ça s'appelle? Souvent, les trucs beaucoup à Kourou, les trucs qui marchent sur le mur là. On appelle comme Maguia, voilà. Vous connaissez, y a un Maguia qui a une tête rouge. Vous voyez, non? Ils ont retrouvé le crâne de Maguia tête rouge dans l'huile du Kamatili qui est en train de griller ce poisson. C'est-à-dire, il met la tête du maquillage dans l'huile là d'abord. Mettons le poisson là vient après. Ça a commencé à bouillir, fait les trucs. Mettons un jour, quelqu'un a remarqué ça. La personne qui a vu ça a dit Hey! Quand la personne a crié Hey! Tout le monde a vu en même temps. Les poissons du quartier sont venus voir. Ils regardent bien dans l'huile là. Voici une tête. Tête de maquillage. Les gens commencent à dire, ah, toi c'est ce que tu fais. Ça coûte ça, il y a du monde sur toi, si on ne sait pas pourquoi. Toi, c'est la sorcellerie que tu fais sur les gens ici. Tout le quartier s'est levé. C'est ce jour-là hein, que le cabaret musical a été fermé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous revenons encore dans cette histoire-là. Avoir une fille comme ça, elle était une fille comme ça, elle était dans une voiture jolie, avec des jeunes gens. Ces jeunes gens sont venus jeter la fille là comme ça, en pleine rue. Au moins, les gens se rendent compte, elle est devenue folle, elle a commencé à manifester les signes de folie. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Mais la petite, elle est devenue folle. Où sont ses parents? Personne ne sait. Souvent, il y a des filles qui ont de gros yeux, c'est-à-dire elles voient loin. C'est pas mauvais de voir loin. Mais il faut savoir comment vous voyez et puis avec qui vous marchez. Quand vous voyez les petites, tout le temps, elles sont attirées par les choses qui brillent. De toute façon, les choses qui brillent attirent toujours. Mais il faut faire très attention, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Voici que la côté un cas, voici. Des bouteilles ou bien des yaoboy. Elle a marché, elle s'est marché derrière jusqu'à la voiture, elle sort du véhicule, devenue folle. Faites attention! Faites attention! Il n'y a pas très longtemps, ils ont attrapé
un jeune homme au Nigeria. Ce jeune homme-là, ils l'ont attrapé. Souvent, quand le diable, quand Dieu veut vous dévoiler là, non. Quelque sorte, la manière vous êtes caché. Les gens ont fini par vous attraper, quoi. Le gars, hein, vous savez ce qu'il fait? Le gars, il utilise le sous-vêtement de sa copine pour les rituels. Vous sous-vêtements, vous savez ce que c'est, non? Genre les slips ou bien les strings, là. Ça, il l'utilise pour des rituels. Hein? Et sa copine n'est pas au courant. Elle a vu qu'un gars depuis. Elle s'est dit, oh, elle l'aime. C'est son gars, c'est son amour. Et il a l'argent. Il lui donne des potas très chers. Et elle se contentait juste de cela. Elle ne voulait pas aller en profondeur pour chercher à savoir, mais quel travail ce jeune homme lui fait. Et puis il a autant d'argent et qu'il s'occupe de moi comme ça. Une femme qui est intelligente va se poser des fois des questions. Toi, ma soeur, si tu remarques que ton slip, ça disparaît, à chaque fois, toi, ton slip disparaît. Oh. C'est-à-dire, toi, ton string là, si tu avais 10 strings, à un moment donné, c'est-à-dire à la fin de la semaine, tu vas te retrouver avec 2 strings seulement. Où sont passés les autres? Est-ce que les strings ont pied pour marcher? Dites-le-moi. C'est parce qu'il y a un truc. Il y a un truc. Il tient à tirer l'attention des yeux des jeunes filles sur ce sujet-là. Les strings disparaissent. Les filles, jeunes filles comme ça qu'on vous tous folles de nos quartiers. Vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions. Dans une vidéo qui a circulé sur Internet, on voit un jeune homme juste là-bas dans la première image. On voit un jeune homme. Il sort des véhicules et il commence à faire le fou. Et regardez sa copine. Sa copine aussi, regardez comment elle habille de façon sexy. Avec ses cheveux très chers. Les cheveux ont la même couleur avec son vêtement. C'est ça, en fait, être à la mode. Maintenant, regardez ce qui se passe en bas. On voit le jeune homme est devenu fou. Et son ami essaie de l'attraper. Ils n'ont rien vu venir. En tout cas, ce qu'il peut vous dire. Faites très attention. Quand vous touchez aux choses du diable pour devenir riche, attendez-vous aux conséquences à un moment donné. Attendez-vous aux conséquences à un moment donné. Surtout mes jeunes soeurs, vous qui sortez avec les gens, vous savez que c'est un bouteur. Si tu sais que cette personne est d'un type pareil et que toi tu sors avec elle, faut te préparer spirituellement. C'est-à-dire qu'il faut prier beaucoup. Faut prier Jésus. Faut dire Seigneur Jésus que voici affaire là-haut. Tu dis quoi? Parce que si tu ne le fais pas et que toi tu pries seulement que le Dieu de l'argent, ah, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu que tu dois voir. Tu vas voir ça. Toi, ton string disparaît. Bah, ceci, ton string disparaît. Bon, ton slip, ton sous-vêtement. Si tu as remarqué que ton sous-vêtement disparaît, tu ne sais pas où c'est parti. Faut commencer à chercher le vêtement là. Faut commencer à chercher. Et parfois, les sorciers peuvent faire ça. Si vous remarquez qu'un vêtement vous portez a disparu. Et puis un moment c'est revenu. Faites attention. Souvent les sorciers peuvent prendre les vêtements des gens. Et après revenir replacer cela. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourquoi vous faites très attention surtout à nos vêtements? Écoutez-moi, je vais vous dire. Dans le vêtement que vous portez se trouve votre gloire. C'est-à-dire votre gloire.
Ça se trouve dans le vêtement. Regardez Élie. Lui, il a pu mettre son vêtement taper le bout, nous la divisé en deux. Une route à mettre dans ses frayés. C'est comme s'il y avait une puissance là-dedans. Comme vous pouvez dire, quand on voit tel et tel vêtement, quelque part, on peut se souvenir que c'est à vous que ça appartient. Souvent, même quelqu'un va dire, hey, voici l'habit d'Ignace Rupon là qu'elle a. Il a porté le même habit qu'Ignace Rupon. C'est-à-dire, on voit le vêtement. C'est comme si on vous voyait vous. C'est à cause de la puissance qui est à l'intérieur. Ça veut dire que vous ne devez pas jouer avec ça. Vous ne devez pas jouer avec vos vêtements. S'il y a un de vos vêtements qui a disparu, cherchez à savoir où c'est parti. Et pourquoi ça a disparu? Souvent, il y a des femmes qui sont très très méchantes. Pour lancer la folie sur une autre femme, par exemple, si elles sont rivales. Pour lancer la folie sur une autre femme, elle va aller payer peut-être quelqu'un qui est dans la même maison que la fille, ou bien celle que la femme, afin que cette personne puisse lui donner le sous-vêtement de la femme, afin qu'elle puisse amener ça sur un féticheur, pour qu'on puisse lui lancer l'esprit de folie. À partir de ça, on peut lancer l'esprit de folie. Moi, avant, je n'y croyais pas tellement, mais apparemment, c'est ce qui se passe. Mes soeurs, soyez vraiment vigilants. Ça, connaissez, cherchez à connaître le nombre de vos sous-vêtements. Combien de slips avez-vous? Si ça disparaît, là, allez chercher à savoir pourquoi ça a disparu. Parce que vous pouvez être avec un gars, tout va bien. Mais à un moment donné, il fait de mauvaises rencontres. Et il reste dans le ritualisme. Il reste dans les choses spirituelles. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas informé, parce qu'il ne va pas vous dire, si vous n'êtes pas informé que vous marchez avec cette personne, si on demande à cette personne de tuer quelqu'un, ou de sacrifier quelqu'un, et qu'il ne trouve pas une personne à sacrifier, il va vous prendre, il va vous sacrifier. Ou bien, ces fétiches, les retombées de ces fétiches-là, vont vous affecter, vous, la femme. Si je parle comme ça par rapport aux femmes, là, c'est parce que la plupart des choses, quand ça arrive, ce sont les femmes qui sont des grandes conséquences, quoi. Ce sont les femmes qui souffrent beaucoup de ce genre d'histoire. C'est comme une femme du sataniste, elle avait de fausses couches. Tout en qu'elle enceinte, là, elle perd l'enfant. Tout en elle perd l'enfant. Elle ne faisait que perdre l'enfant, les enfants là seulement. Si vous avez remarqué ça, commencez à prier. Demandez à lui de vous montrer ce qui ne va pas. Parce que si vous ne priez pas, vous n'allez pas savoir d'où vous viennent vos attaques. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas s'attacher à n'importe qui, n'importe quelle personne. Vous rencontrez un homme. Vraiment. Priez pour que Dieu vous montre qui est cette personne spirituellement et que vous réserve votre avenir par rapport à cet homme. Est-ce que cet homme-là va être une source de bonheur pour vous dans l'avenir avant de vous mettre avant de vous attacher à cette personne? Parce qu'il y a des gens là, qui paraissent très gentils au premier jour, au premier rendez-vous, mais très très méchants. Après, il faut savoir tout ça. C'est-à-dire qu'il faut mener ces enquêtes. Parce que non, vous pouvez faire un mauvais choix. Vous pouvez choisir un mauvais gars. Pourquoi? Quand est-ce que vous allez savoir que c'est un mauvais? C'est quand vous allez voir qu'il vous a sacrifié. Pour des rituels, pour de l'argent, il vous a sacrifié. Mais vous êtes morte. Ou bien la fille la dernière fois. Là où elle est là, comme ça, de cet état, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle pourra faire? N'entrez pas dans des relations juste à cause de l'amour. L'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit plus. Il y a beaucoup de choses derrière l'amour.
que vous devez prendre en compte. Est-ce que cette personne-là ne va pas me vendre un jour à Satan? Est-ce que cette personne ne va pas me créer un jour de problème? Est-ce que si elle avait ce cas-là, il ne va pas faire des rituels sur moi et me rendre folle comme cette fille-là? Ne marchez pas avec des gens qui ont de l'argent et vous ne savez même pas la source. On dit, oh, c'est brouteur. Elle-même sait que le gars, c'est un brouteur. Elle sait que l'argent, c'est de l'argent volé. Mais elle est dedans. Et elle s'en fout. Et elle est défend même. Elle peut lui dire, continue ce que tu fais. Mais elle est retombée de ça. Mais elle est retombée de ça. C'est comme une fille, elle a rencontré un gars. Le gars, il était dans un couple de gars qui avait un taxi. Dès que vous venez dans les taxis, eux, ils vous braquent à mettre plein tout sur vous. Le jour, la police a saisi le gars. La fille aussi se trouvait dans le même endroit que le gars. Donc, la police a fait quoi? La police a pris la fille aussi. Elle a son travail là. Dès que son gars s'est saisi de l'individu qui a été kidnappé et qu'il nettoie l'individu, elle, son travail, c'est de fouiller dans les sacs des gens et puis prendre les objets précieux. Et tout ce qui est argent, tout ce qui est important, c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle a été aussi condamnée. C'est-à-dire qu'elle a des gens avec qui il ne faut pas être copain, il ne faut pas être copine. Tout se passe en esprit maintenant. Tout se passe en esprit maintenant. Waouh! La copine d'un brouteur, ou Yahoo Boy, est devenue folle. Maintenant, qu'est-ce que ses parents ont fait? Ou qu'est-ce que ses parents doivent faire pour sauver cette fille de cette folie? En tout cas, ce que ses parents doivent faire, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette fille-là. Et de rejeter le cas. Et que le cas nous dise là où il a enchaîné spirituellement l'esprit de la fille. Maintenant, si vous ne pouvez pas savoir où il est, c'est là maintenant que vous allez gérer le cas là, mystiquement. C'est-à-dire avec un homme de Dieu qui est spécialisé dans la délivrance des gens comme ça, afin qu'on puisse faire le combat spirituel. Mais ça va prendre du temps. Parce que l'esprit de la fille a déjà été prise. Elle est capturée comme ça. Et ça, c'est une forme de prison spirituelle. Elle est dans la prison spirituelle de la folie. Maintenant, tant qu'elle est dans la prison spirituelle de la folie, j'ai des gens comme ça là. Le gars, vous allez voir qu'il va prospérer. Et de temps en temps, hein, il va venir sur la route pour voir si cette fille-là est toujours folle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va même prier pour qu'elle soit toujours folle, afin que lui demeure riche. Il va passer là. Il va regarder à chaque fois, même à distance. Étant à la maison, il a des caméras qui suivaient la fille, des caméras mystiques qui suivaient la fille et qui lui permettent de voir la fille à distance et de savoir où elle est. Maintenant, le jour où un homme doit peut-être prier pour elle, elle va être délivrée de la folie. C'est lui-même qui va devenir fou. C'est là que vous allez voir des jeunes gars, peut-être des jeunes gens, peut-être, qui ont été frappés de folie. C'est comme si on disait que quand le pasteur a prié sur la fille, ça fait un retour à l'envoyeur. La folie est retournée là d'où ça vient. Maintenant, comme le démon ne peut pas retourner sur le diable, il va aller chez le gars. Et c'est la folie là qui a tombé sur lui. Dans tous les cas, c'est l'homme qui va payer le prix. Et le gars va devenir aussi fou. Voici comment vous voyez des gens sur la terre, des jeunes gens qui sont fous et qui sont dans nos rues. Alors, quand vous les voyez, vous avez pitié. Vous ne savez pas ce qui s'est passé.
Ce sont les gens qui voulaient être plus riches que nous, qui voulaient avoir des gens d'argent qu'on ne peut pas avoir facilement, comme je vous ai dit en introduction. Gens avoir des milliards, c'est des gens qui voulaient avoir des milliards, de l'argent, non? C'est des gens d'argent là même que même vous ne pouvez pas compter là. Avoir des briques, des grandes, des immeubles, des choses que franchement. Mais ils ont choisi le mauvais chemin. S'ils avaient choisi le bon chemin, le chemin où on doit travailler dur, où on doit réfléchir, le chemin où même souvent ça ne va pas, tu dois chercher à savoir comment tu vas faire pour te relever encore là. S'ils avaient juste choisi ce chemin-là, ils seraient en bonne santé. Ils auraient même longue vie. Mais aujourd'hui, regardez. Voici ce que donne le chemin de la facilité. Je suis choqué en voyant toutes ces choses. Mais il faut que quelqu'un de mon sang-froid que je vous parle. Il faut que j'insiste surtout sur ceci. Mes soeurs, si vous vous trouvez même dans une cour et que vous voyez que vos sous-vêtements disparaissent là, ne dites pas, ah, peut-être que ça disparaît, on ne sait jamais, c'est peut-être. Allez chercher. Allez chercher cela. Vous devez trouver où se trouvent vos vêtements. Si tous les jeunes de la cour commune où vous êtes là doivent sortir, chacun doit déballer sa valise. Tout le monde, il faut aller trouver ça. Allez, si vous vous laissez. Vous n'avez pas dit que je ne vous ai pas dit.